na biso na Congo muta fanti maloaka. Ça va pas durer autant. Peut-être glisse. Ouais, vas-y, continue. Je suis pas. En dernier rang, c'est au dernier rang. Dans l'histoire de la banque, l'Afrique n'est plus logée au dernier rang. Bon nombre de nos dirigeants y figurent en bonne place. À l'essence d'une connaissance qui t'a été prêtée et dont tu te régales, on la croit ancienne. Être inférieur, espèce de mère rampant sous l'homme et sa vie. Et vous aussi. Allez, hors de ma vue. Du charognard qui réclame du vin comme il laisse pourrir ton corps sur les flancs du mont Itatolo. Je le vois tous revenir à la charge. Ton protecteur est mort. Hé, hey, qui es-tu maintenant? Voilà. Et ne reste pas, tu es resté trop longtemps, ça. Non, j'essaie d'avancer. Et l'apparition là-bas, c'est parce qu'à un moment donné, plus tu essaies d'avancer, pas plus tu disparais. Trop élevé est le prix. On reprend, allez, on reprend. Trop élevé est le prix de leur déraison. Vas-y, reprends-moi ça. Fort. Nous avons connu l'obscurité avec la lumière de Zoé. Trop élevé est le prix de leur déraison. Les phalènes se heurtent au réverbère de notre conscience. Sûrement qu'on prime. Elle ne la supporterait plus pour elle-même. Pour elle-même, 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 la petite elle-même, pour elle-même, pour elle-même, pour elle-même, pour elle-même. Je vois ce que et le matin pour elle-même, tu es dans les coulisses, on ne te voit pas. Oui, c'est quand tu apparaîtes, ça s'arrête. Ça s'arrête. Caporal Munzula, de la brigade chargée de surveiller le site des insurgés sur le mont Itatolo. Ordre m'a été donné de venir communiquer au chef de l'État, au chef l'état d'avancement de la situation sur le terrain. Quoi? De si bon matin? La nouvelle doit être de la toute première importance. Elle est de la toute première importance, en effet. Il a payé. Voilà, voilà. Et vous vous tournez. Et voilà. À l'abandon. Voilà les salopards, les rebelles, les terroristes, les bandits, machin et tout ça. Notre maître met sur son peuple un mur reconnaissant sur laquelle les ennemis viennent se heurter. Hey! Qui l'a pris? Allez, toi, vas-y! Un torrent de feu descendu du ciel s'est emparé d'eux. Ouais. Désormais, ils vivent dans l'anonymat de la mort. Que les peuples du monde se souviennent de ce jour glorieux. Voilà, qu'ils sachent. Et que le ciel l'honore. Ouais, ici, on blague pas. Voilà. Tu viens ici, là,
Quand lui, il a fini, une autre personne vient me faire une figure là, je sais pas de quoi là. Allez, une autre personne peut rentrer. Allez. C'est qui parle après? Qui parle après? Voilà. Hey! Hey, dès qu'il est. Toi, tu vas pour aller parler. Vas-y, pas parler, allez. Un mouvement des bras ou un geste, un truc, quelque chose de précis. Tu vois? Tête, des roussettes, est-ce qu'on montre comme ouais. ça? Est-ce qu'il y a un truc. Ils ne peuvent pas la tête. Ils marchent à l'homme tout ce que veulent à sa grandeur. Ils prennent bien tout ce que l'on lui prendra. De séparer notre mère, que son corps. Telle que vous êtes, la lumière du jour leur sera interdite. Jeunes de quartier qui voulaient forcer le barrage pour aller rendre hommage à leurs héros. Ils ont été refoulés à coups de grenades lacrymogènes. Hey, yeah, yeah. C'est bien. Thank you.
Bon, la deuxième chaise n'a plus raison d'être. Il faut rester sur la première. Allez, 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 on y va, on y va. Allez, on y va, on reprend, et, bon, on va un peu. Djouf, là où tu rentres, là, tu sais où tu rentres pour la musique. Ouais. Allez. Donc. Et toujours aux aguets, toujours aux aguets. Toujours. Aïe, le temps vous appartient, n'est-ce pas? Loin de moi cette pensée. Alouette! C'est ça? Oui. En fait, là où elle est rentrée, on allait tout d'abord se retrouver pour faire le truc. Non. Non, le truc de. On fait ça deux fois. Parce que lui-même aussi, il est là. Parce que lui, ouais, il arrive au moment où on entrait. Ouais. Et quand on fait une ouverture, il dit le truc, son texte là. Ouais. Et on recule. Après, il y a l'improvisation de Géraldine. Ouais. Qu'il prenne garde sur ce que l'on lui prendra. De séparer notre maître de son peuple. Hey! Et moi, qui souffre le plus dans cette affaire? Ce n'est pas faire offense à son épouse que de ne pas honorer la mort de celui qui a voulu attenter à la vie de son frère. Ce n'est pas à son frère qui l'en voulait, mais au souverain, au chef de guerre qui a lancé l'offensive contre son camp politique. Pendant ce temps, ton cousin lui dit, oh non, personne ne suit. Je suis tout seul, merci. Hein. Moi, je t'ai laissé le texte. Ouais, mais prends un autre texte pour souffler. C'est au cours d'une ultime altercation qu'ils se sont donné les coups fatales. Et ton cousin a succombé brutalement. Mon frère ne voit plus la passion de la vie. Une dernière fois, il ferme ses adieux. C'est au moment où il s'est penché sur sa figure ensanglantée qu'il a été fauché par une rafale. Il se voulait entier. Je l'ai toujours jugé excessif, à tout point de vue, excessif en amour, en amitié, dans ses opinions politiques. Ils étaient des frères, disons, deux cousins pour parler comme les blancs. L'un est mort pour la cause de son président. Il a été porté au poil sous l'honoration, honoré par tout un peuple. Le corps d'une sœur ne pourra jamais être, ne pourra jamais faire exception pour l'un d'entre eux. Sinon, ça serait déroger à la promesse que j'ai faite sur la tombe de votre mère. Si tu es venu ici pour m'amadouer en pleine nuit, sache que tu te trompes. Je ne suis pas un chef à me déjuger. Ce n'est pas tant se déjuger qu'un chef par moment cesse tout simplement d'être le souverain. On dira du chef qu'il a pardonné. Pour diriger un pays, on le paye être homme de colère, mais de rancune. Le pardon est la vertu des faibles. Coule les saisons, allez. Coule les saisons, on y va. 1, 2, 3. Coule. On y va. Coule les saisons dans les veines de l'histoire. Nous avons connu l'homme de Dieu avec la lumière des autres. Trompe les veines et la vie de leur guérison. Les phalènes se heurtent au réverbère de notre conscience. Sûrement en prime, elle ne la supporterait plus pour elle-même. Elle ne la supporterait plus pour elle-même. 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 Que peut une femme seule face à tout un pays qui te jette l'anathème? Yeah.
Yalukawele, yalukawele. Mebunzana. Amabanza. Yalukawele. Kuna mongo itakola. Kubitinda nikokena. Amechoza musime. Amabanza. Amabanza. Mais on fera en tout cas entre les deux. Il y a des moments où vous serez très présent sur scène. Et il y a des moments où vous irez dans les coulisses. Donc ça demande à... On va le travailler. Vraiment, c'est la discipline, l'écoute. Ceux qui ont la parole, ceux qui ont une phrase à dire, vous n'avez qu'une seule phrase, faites tout pour la comprendre, savoir qu'est-ce qu'on dit, et surtout, la dire dans la bonne énergie, en étant de la bonne énergie. Mais sinon, dans l'ensemble, les musiciens, bravo. Et donc, on va continuer tous. Il nous reste demain et samedi pour tout nous boucler. Comme le dit, vous pouvez... C'est à mon tour de le boire, de le boire jusqu'à la lit. Heureux ceux qui ont goûté au Bounzou le Touéré. Ils ont peut-être été épargnés des forfaits de la vie. Il faut que ça y aille. Oui, oui. Il y a trop de vide, sinon on va être dans le caca. C'est bon, ça va aller. Allez. Expliquez-nous tout ça en deux mots. Deux mots? Ah, chef, mais deux mots seront insuffisants à vous expliquer ce qui s'est passé là-bas cette nuit. T'as fini, hein? J'ai fini. Ok. Big Bang! Les morts ne sont pas morts! Ceux qui sont morts ne sont jamais partis! Bon, poussez! Dans le nom qui s'éteint et dans l'ombre qui se dessine! Les morts ne sont pas sous la terre! Ils sont dans l'âme qui frémit! Qui frémit! Ils sont dans le bois qui gémit! Qui gémit! Et parlez fort. Voilà, vous êtes surpris parce que ce moment va. Oui, maintenant, ça va arriver. Ce n'est pas vrai ici. Donc, faut que dès que moi je m'assois ici, il faut que vous préparez déjà. Vous ne touchez pas le rideau de cette vidéo de fort. Sonra babaşez mi? Sonra babaşez mi? Hı? Şez yok ulan, teri sanfırı da bunlar. Ne kere? De bana. La parole de Gendy était mon faux. Je vous fais que ça. Dès le moment, les paroles que la nana sont plus fortes, nana. Après, tu trouveras pas la manière pour moi. C'est important ce qu'elle dit. Ça veut dire la même chose.
dépossédé de ton enfance, mais pas forcément. Tu as un objectif pour elle-même, pour elle-même, pour elle-même, pour elle-même. Yeri yeye oh, mama oh. Yeri yeye oh, mama oh. Yeri yeye oh, mama oh. Comme vous marchez droit, l'obscurité m'a tenu au flanc gauche de la loi. C'est un peuple qui s'abandonne, qui s'abandonne, qui s'abandonne. Je passe en revue. Tu vois, je les passe en revue. Ah, vous êtes là, vous venez, vous êtes là. Tout ça, c'est ça le genre. Quelque part à quoi nous parlons? Ta maison. Resh nous attend à l'entrée d'Agri Congo là, donc. C'est elle là, Yann Dubo. Alors je vous explique. La dialecte venait de péter, mais bon. Comme au Congo, on ne peut pas être chauffeur sans mécanicien. Voilà, il a raccroché la dialecte. Donc là, nous repartons sur la route de tournée de du Congo et de Navarre. C'est un bon spectacle. Avant que ça commence à bouger, voilà. Et tu peux même commencer la première personne là. Vas-y, la première personne. L'enjeu de la destruction et de l'épouvante. Il y a deux résistances à la nuit du mal. La passion des âmes. Des âmes. Et la compassion des âmes. Des âmes. Y'a l'oukawele. Y'a l'oukawele. Que suis-je larmes? Il a touché le ciel du bord. Il n'a pas accompli. Vas-y, vas-y, monte. Monte-moi, monte-moi. Ah, Nge. Reste ma vie. Ah, bon, nous, Nge. Reste ici. Faut que tu me fasses le truc, un truc qui me sonne, un truc qui va. Il faut quelqu'un pour justifier mon âme. Ouvre ta voix. Je reviens là. Voilà, je viens de faire une restitution d'Antonio Ngomi. Et les pétillons ont été bons quand même. C'était la restitution, la résidence ici aux ateliers SAM, Antonio Ngomi. C'était un grand partage et une belle expérience. Dites un mot. On a joué, c'était bien fait. On était vraiment très concentrés. Merci.
C'est une belle expérience. Marek, Félix, Roche, Chris, toute cette compagnie qui est là, quelle expérience je suis performeuse. C'est un truc qui m'a bouleversé que moi-même, je n'ai pas pu contenir mes larmes. J'ai pleuré. Vraiment, merci beaucoup pour cette expérience. C'était beau. Je les félicite beaucoup et merci. Ce que j'ai à dire, c'était trop cool parce que, à la base, moi je suis pas comédien, j'ai jamais fait le théâtre, mais après j'ai osé faire quoi parce qu'il y avait un peu des gens qui étaient là qui nous ont rapporté quelque chose. Et on a bien reçu quoi. Bon, ça s'est bien passé là, durant les deux semaines qu'on a eu à travailler. On n'a pas stressé, c'était bien. J'ai aimé vraiment la façon dont on a travaillé ici. J'ai vraiment apprécié qu'on a aimé le travail d'abord dans son ensemble. Deux semaines de travail pour présenter ce que nous venons de faire, hyper top. Pour nous, on dit c'est un début. Et puis, c'est vrai, quand on aura du temps, on fera peut-être mieux que ça. Mais sinon. Merci les gars, merci mes grands, je vous aime. Impression, le travail était magnifique. J'ai aimé le mélange. Il y a eu des peintres, des danseurs, des slameurs. Et du coup, ça donne quelque chose de partage quoi. J'ai vraiment aimé. Merci beaucoup. Au revoir. Non mais c'était formidable. En vrai, vous êtes les grands, mais c'est une école quoi. Qui a appris? Moi. Le travail vraiment c'est quelque chose, ça n'arrive pas tous les jours. Travailler avec des gens dont de l'expérience, les danseurs, slameurs, comédiens, ça nous donne un peu le courage d'avancer. Non, j'ai constaté que mes amis ont fait ça, mais ça me fait plaisir d'être ensemble. Je suis très content et voilà quoi, l'aventure continue. On espère pouvoir faire encore beaucoup de choses. Voilà. Donc, la scène qu'on a présentée, c'est l'idée du chef ici. Donc, et aujourd'hui, c'est notre dernier show de presté. Malheureusement, la pluie qui a essayé de nous casser l'air. On a pu faire quelque chose sur la pluie. Là, je vous remercie. Je vous en prie. Les deux semaines qu'on a eu à passer a été génial pour nous. Ça nous a rapporté quelque chose pour notre carrière. Ça nous a rapporté quelque chose vraiment. Je félicite les metteurs en scène et tous mes collègues. Merci beaucoup. Bon, pour le travail de ce soir qu'on a donné, c'était un travail de fond qu'on a effectué pendant ces deux semaines. On a travaillé comme des malades. Et des assurances, c'est pas facile. Parce que c'était ça le jeu. Donc, ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a préparé durant ces deux semaines. Je n'ai pas accès à ce que vous avez dit. Qu'est-ce que nous avons présenté ce soir et le fruit du travail qu'on a eu ici pendant deux semaines de partage, de joie, de rencontre. Pas beaucoup à dire. Merci, c'est quoi? Mais les bêtises, c'est zéro. Vraiment, Maninga va se péli. Au moins, c'est bon, merci. La présentation qu'on vient de faire, c'est un travail qu'on a durant un mois. Et c'est ce qu'on a présenté, ce qu'on a travaillé ensemble durant un mois. Et on dit merci. Merci parce qu'on a fait beaucoup de choses, on a pris beaucoup de choses. Yabat, n'y a pas que là. Au
début, je n'étais pas conteur ou des gens qui comment donc j'ai appris beaucoup de choses avec mes grands frères, j'ai appris beaucoup de choses, je dis merci. Cette création, moi je peux dire, l'originalité vient du fait qu'on prend une pièce qui est d'un temps jouée, vraiment, c'est original. Après, une mesure où se mélange avec nos réalités africaines et cette pièce qui est vraiment d'un temps jouée, ça crée vraiment une belle dualité. Et encore cette belle énergie sur scène des acteurs. Et Mampouya, le meilleur. Vraiment, c'est une très belle création. Et je pense au fur et à mesure, par la modification, ça va prendre encore de l'ampleur et ça va plus encore s'amplifier. Donc je pense qu'il y aura encore des belles choses en avenir. Donc, vraiment, pour moi, la création elle est belle et elle sera continuellement belle. C'est ça. Merci beaucoup. Belle initiation du projet, formidable, impeccable. Vas-y, j'arrive, maman. Ce genre de travail ne peut pas souvent être fait en deux semaines chez les autres, mais nous avons boxé la situation. Nous l'avons fait en deux semaines. Nous sommes les combattants. Nous sommes des combattants. D'accord. Nous sommes des combattants. C'est bon. Ça a été une belle expérience pour moi. Travailler ce genre de spectacle en deux semaines, c'est une chose que je n'ai pas encore faite. Et cela va apporter un peu sur moi, ça j'en suis sûr, et l'aventure continue. Le spectacle, oui, il est bon, on a dit que c'est un chantier. Bon, il y a des petites choses qu'on peut travailler, et c'est ce que j'expliquais à Thalès. Le sort du spectacle, en tout cas, ça promet, c'est très bon, mais le reste, c'est des choses qui vont affiner. Naturellement. Naturellement, bon, il y a aussi ce truc de la fin, là. Tu vois, non? Oui. Oh, ben c'est bien quand les gens... Mais bon, il y en a d'autres, c'est comme s'ils ne croient pas. Certaines chorégraphies étaient bien, mais ça, quand j'ai regardé, il y avait des mains qui étaient en bas. Voilà un peu en gros ce que je peux te dire du spectacle. Mais vraiment, ça m'a plu, je sors de là content. Nalingina sakana ndengeyo sakanaka na bwakanzotoe suaide pesa ngai réponse. Ozelisinga mingi nzotoe komikono.